الرخميس اللي دي لا ريجيون دو الطاهر ولايه دو جيجل. الناس ملاح غير متقف بالعربيه والفرنساويه كلش. ايش لبس بيه؟ كل جيد لبس بيه انسان عاقل، عاقل فوق اقصى درجه. C'est un très bel homme, ce qu'on appelle un bel homme. Brun, svelte, costaud. Bouchmiste affaire. Il fait corps avec la révolution. Il est convaincu de ses principes. Il devient fidaï dans le sud de la France, en compagnie d'autres Algériens travailleurs émigrés. Le renseignement français découvre ses activités. Il est arrêté, interrogé, torturé, puis traduit devant le tribunal militaire de Montluc, où il est condamné à mort. Il entre seul dans le couloir de la mort. Mais au fil du temps, il participe au soutien des prisonniers politiques détenus au fort Montluc. Il gérait la caisse commune. Il a une fois par semaine, il donne des commandes pour la semaine. Il a besoin de la nourriture, de la nourriture. Quand il dit la commande, il est autorisé, mais il dit avec deux ou trois gardiens, il a fait le bain, mais il a besoin. En même temps, il leur dit des choses pour s'amuser, pour rigoler. Il est aussi formidable. Personne dans le couloir de la mort n'imagine qu'un jour viendra le tour de Bouchmiste Affaire. Pense que De Gaulle va le gracier à la première occasion. L'accusation, les derniers alors, de Salaf. Salaf, généralement. La grâce, il aurait pu être grâce. Mais vous êtes fait un moment où le général De Gaulle venait d'arriver au pouvoir. Et il venait de multiplier, il commençait à multiplier les exécutions. C'est à ce moment que De Gaulle signe la décision d'exécution de l'homme qui est apprécié par tous les condamnés à mort à Fort Montluc. Le tapage de Berek a été plus fort que pour les autres. Quand on a su que c'était lui. Personne ne s'attendait que c'était son tour. Tu vois, Dehmoud, Aïta Lia, Amoussa, Amoussa, Amdouni. Je n'ai pas pu l'accepter. Mais je me suis dit, quand il a crié, Allahu Akbar, Allahu Akbar. صلي على مصر، صلي الجزائر، تحيا الجزائر، ابقوا على خير. Calme et serein, c'est en héros que les gardiens le conduisent à la guillotine. Ses compagnons perdent ainsi un homme apprécié pour sa droiture et sa sincérité. Pour nous, c'était vraiment, ça relevait presque de l'inacceptable. Qui va se faire, qui m'a dit,
يموت. كي داوه باه يقتلوه، سي لو سول اللي كان في قلبي تلماني جونتي، دين جونتيس انكرويابل، إذا كوراج إكزومبلار. Un des gardiens de prison, ancien résistant contre le nazisme et ancien détenu au fort Montluc, s'est pris de sympathie pour Bourmis. Il rapporte à ses compagnons son impressionnant courage au moment de l'exécution. Je vais dire que moi je suis mort. Il ne faut pas salir mon corps qui est pur. Avec vos salmes. Il s'est presque placé tout seul la tête sur la loupe. C'est le gardien de la loupe. Il a congelé dans le couloir comme il a fini. Il est un homme très, très courageux, très digne. Un véritable révolutionnaire. Allahu Akbar, vive l'Algérie. Il s'avance vers la guillotine, refusant d'être souillé par ceux qui ont du sang sur les mains. Il met sa tête sur le billot, et c'est alors que toute honte bue, le bourreau décapite celui qui personnifie la sagesse et la sincérité. Il décapite le courage et la modestie. 100 honte, la guillotine décapite une âme dévouée à la foi en Dieu et l'amour de la patrie. Allahu Akbar. Vive l'Algérie.